Ok. Salut à tous. Je fais jamais de vidéo YouTube, mais bon là, là voilà quoi, là bon là il faut. Hein. Donc je vais faire une tier list un poil plus fort. Ok. Moi je vais blesser dans mes... ok. Tu me dis c'est bien Miel, bien sûr. Donc voilà, donc on va faire une tier list des niveaux de Piggle Knights, attention. Vu que je suis à fond dans le jeu en ce moment, je me dis vas-y go faire une tier list, ça peut être marrant. Donc let's go. Ok, donc la tier list. Alors bien sûr, c'est mes goûts personnels et tout, voilà, enfin, c'est une tier list quoi. Ok, niveau 1. Le niveau 1, franchement c'est du B hein. Niveau 1 c'est pas la dinguerie, c'est pas nul à chier, c'est... Niveau plutôt facile. Bon, c'est... Vas-y, c'est B. Franchement, c'est B. Moi, je dis c'est B. Niveau 2. À niveau 2, moi, je le mettrais en A. Parce que... très satisfaisant. Tu peux faire des petites glissades sur les moustaches, là. Franchement, c'est pas mal. Du coup, moi, je dirais A pour le niveau 2. On va pas passer 10 000 ans par niveau, hein, bien sûr. Tu vas laisser les lettres, du coup, pour les catégories. Bon, ouais, hein. Ouh, je vais essayer niveau 3. Alors niveau 3, au début je le détestais, mais finalement avec la strat de la glissade, et bah ça devient un banger. Donc en fait je vais le mettre en A aussi, je pense. Je vais le mettre en A aussi, ouais, il est très bien. Celui-là. Hein ? Tu vas mettre les lettres du coup au fur et à mesure de les faire. De quoi? J'ai pas compris. Ok. Ouais, celui-là c'est B aussi. Hein. Il est pas hyper satisfaisant, il est pas hyper chiant, il est pas hyper dur. C'est ok. Le niveau quoi? Tu veux dire. Ah oui, tu veux dire que genre lui je vais le mettre devant lui ou après, tu vois, c'est ça? Non, je vais trier après. Hein. C'est ça que tu dis, je vais trier après. Donc voilà, donc là il sera B. Celui-là, alors celui-là, et bah celui-là franchement c'est B aussi hein. Celui-là c'est B aussi. Il y a des petites glissades à faire, mais bon c'est pas la dinguerie non plus quoi. Franchement celui-là c'est B. Celui-là je l'ai beaucoup retry tout à l'heure en off. Ah. Ok. Je veux dire, tu as apprécié le niveau au fur et à mesure de le refaire. Il y en a oui et il y en a non. Voilà quoi. Ouais, j'ai fini la run, c'était catastrophique. Le hibou m'a terminé, j'ai retry 3 fois un niveau, j'ai FF. J'ai FF, j'ai perdu tout mon temps, c'est ridicule. C'est dommage. RIP. En fait, c'est parce que t'es parti à Mésis, hein, du coup ça m'a. Voilà quoi, c'est... ce niveau-là, B. Ah, lui, il est dans. Franchement, il serait dans top B, je pense, parce qu'il est vraiment pas mal. Mais est-ce qu'il vaut un A? En vrai, est-ce qu'il vaut un A? Allez, mais low A, du coup. Low A. Celui-là, c'est un peu un remix nul de celui-là, là. Ah, vous voyez pas mon curseur? Ouais, c'est chiant. Bon, pire, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un curseur, de voir le curseur, en vrai? Ouais, captation, voilà. Ouais, c'est bon. Ça va être mieux. Donc celui-là, c'est un peu un remix nul qui bouge de celui-là. Franchement, est-ce que ce serait mon premier C? Ah, je sais pas. Hein. En vrai, ouais. En vrai, c'est C. Celui-là, je suis pas fan. Je suis pas fan. Celui-là. Alors, par contre, celui-là, masterclass. Masterclass. Bon, je dis masterclass, mais en vrai, il y a mieux. C'est un A. Ah, c'est un A aussi. C'est un A. Je l'aime beaucoup aussi. Celui-là, il est pas dingue, on va vraiment pas se mentir. Lui, c'est un C. Hein. Enfin, lui, c'est un C, vraiment. Celui-là, au début, pareil, je le détestais.
Mais là pour le coup vraiment à force de le refaire, je pense qu'il va en B. Je l'aurais mis beaucoup plus bas normalement, mais là ça part en B. Celui-là c'est B aussi. Pareil, au début je l'aimais pas, mais finalement c'est ok tiers. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, hein. c'est terrible, hein. J'ai vraiment pas grand chose à dire sur les niveaux, mais bon, voilà, qu'est-ce que je voulais que vous dise, c'est, voilà, il a des belles courbes, il est beau, voilà, tu peux pas faire des gros scores dessus, mais bon, écoute, ça reste un niveau assez agréable, voilà, quoi, ça part en B. Alors que celui-là, le prochain, bon, bah là, je suis désolé, mais là, c'est, c'est S, hein. C'est le niveau le plus satisfaisant de Two Beagle Nights, ce sera peut-être le seul S, d'ailleurs. Parce qu'il est trop bien. Il est juste trop bien, la glissette du début, trop bien. C'est un ce niveau qui se retry, mais vraiment sans modération, vraiment la dinguerie, quoi. Il y a juste une fois que t'as fait les deux glissades, une fois que t'as fait le premier coup, en fait, il perd un peu en qualité. Mais les glissades du début, ça fait tout, quoi. Franchement, ça fait tout. Du coup très bon, très très bon niveau, masterclass. En plus c'est la vague de Hokusai je crois, donc c'est génial quoi. Nikon, on kiffe, on adore les compis ici, hein, bien sûr. Celui-là. En vrai je l'aimais bien avant, et pour le coup, à force de le jouer, je suis moins fan. Mais est-ce qu'il mérite un B? Ah, est-ce qu'il mérite un B? En vrai, il mérite quand même son A, je pense. Il mérite quand même son A. En vrai, il mérite son A. Ou alors lui. Aïe, aïe, aïe. Ou alors celui-là, c'est un C. Hein. C'est un C, il est casse-couille, il est dur, il est chiant. Il est pas fun. C'est de la merde. Donc ça part en C direct. Celui-là, par contre, celui-là est très très bien. Lui, je mets en A vraiment sans grosse hésitation. Il sera même dans le top A, je pense. Et je vais trier après. Donc celui-là, vraiment pas mal. Vraiment pas mal, celui-là. Le cirque. Et bah, c'est à chier. Hein. Franchement, c'est à chier. Hein. Enfin, c'est à chier. C'est pas... En fait, pour l'instant, il n'y en a pas qui sont dans D et F. Mais je pense qu'il y en aura. Mais il mérite pas son D. Mais presque, quand même. Hein. Il est quand même low C, hein, celui-là. Les éléphants. Alors, celui-là... franchement c'est aussi, ou alors l'OB, top C ou l'OB, je sais pas trop, vas-y on va mettre l'OB, on va voir, celui-là, alors celui-là, mais tu, non, vraiment celui-là, c'est celui-là, mais en tellement moins bien, mais lui il est tellement mieux quoi, c'est un truc de fou, mais alors que lui il pue la merde, genre vraiment c'est du C, hein, franchement c'est du C, celui-là, malgré les courbes, c'est pas mon préféré. Mais je vais quand même pas le mettre dans C. Je le mettrai dans, je pense, ouais, je pense B quand même, parce qu'il est quand même très dur. Il peut vite fait te ruiner ta run. Donc moi je mettrai B quand même. Je mettrai B. Celui-là, un bon niveau de merde. Hein. Et ben je crois que en vrai je crois que ça va être le premier dé. Parce qu'il pue vraiment la merde. Hein. On va pas se mentir, il est insupportable. Je le hais. Je le hais, c'est chiant. Les trucs qui bougent en haut, là, les petites boules indestructibles qui te baisent à chaque fois que tu veux tirer. Les pics là qui servent à rien là, à part faire chier le monde. C'est chiant. C'est chiant. C'est comme Chias. Non, parce que ça va encore, tu vois. Mais lui, par contre, là, c'est... Non, le D, c'est... celui-là, les quilles, il est pas mal. Il est pas mal. Franchement, il est ok. C'est du B. C'est un solide B. Celui-là, l'entrée au bowling, bien sûr. Avec Spork, là, qui tient sa boule, bien sûr. Voilà, je vais le mettre en B aussi, je pense. En vrai, j'aime bien les niveaux de l'extraterrestre, ils sont sympas. Mais bon, c'est pas non plus la folie, quoi. Ah, peut-être un A, non, top B, je pense. Mais celui-là, bah celui-là, c'est B aussi, hein, franchement. Hein,
Là c'est B aussi. Celui-là c'est B. En vrai ils sont tous B hein. Peut-être. Ouais si celui-là c'est B aussi en vrai. Celui-là c'est B aussi. Ok, Claude. Claude le homard français bien sûr. Claude le homard français. Ça c'est quoi? Ça c'est. C'est pas C, non, ça c'est B. C'est B aussi. Enfin, il y aura beaucoup de B, hein, je pense. Hein. On n'a pas de regard dessus, exactement. Celui-là, est-ce que c'est B ou est-ce que c'est C? Ah, j'hésite. Ah, c'est peut-être C en vrai. Celui-là est peut-être C. Celui-là, c'est peut-être C par contre. La tour Eiffel, c'est B. C'est l'OB. Le monstre, c'est B aussi. Mais plus mid B, genre. Le coucher de soleil c'est B aussi, mais l'OB. Celui-là, on arrive dans le niveau de Tula. Alors Tula c'est particulier, c'est du B aussi. Il y aura que du B, hein, c'est terrible. Matérialiste c'est plus la merde, hein. Y a que du B. Hein. C'est vraiment terrible. Alors, ah non, bah, celui-là c'est du C direct, hein, je n'aime pas ce niveau. Il est chiant, genre t'as un TP là qui sert presque à rien à part se faire chier. T'as plein de briques en bas, c'est facile de faire des free balls dessus, mais bon, t'as vite fait de te retrouver coincé. Enfin bref, c'est pas. Voilà, c'est du C. C'est pas le pire des C, mais c'est. Voilà, c'est du C. Celui-là, très bon, très facile, niveau très simple. Et j'ai envie de dire, c'est encore du B, hein, bien sûr. Mais plus mid B, ouais. Ce niveau, c'est. Non! Non, quand même pas. La pyramide, c'est du low B, mais ça reste du B quand même. Celui-là, ça c'est plus du top B, mid B, top B, c'est pas non plus la dinguerie, mais il est sympathique à faire, j'aime bien. Le niveau du dragon, très satisfaisant le niveau du dragon, hein, très satisfaisant. Parce qu'il y a quoi? Parce qu'il y a un gros cercle là qu'on peut dégager avec son pouvoir là. Assez satisfaisant, donc on va le mettre en C. Hein. Ça va être quand même du B, mais du top B plutôt. Celui-là, c'est du B aussi, hein, bizarrement. Hein. C'est encore du B, c'est pas fou. Pour les tirs de dragon, c'est pas si évident que ça, mais vas-y, ça reste B quand même. Le niveau du sauvetage du dragon... C'est un niveau très dur, c'est un niveau qui est un peu nul d'ailleurs pour son pouvoir, je sais pas pourquoi ils l'ont mis, mais bon bref. Ils ont fait comme ça, c'est vraiment nul pour le pouvoir du dragon. Mais ça reste un B. Ça reste un B. Celui-là il peut être vite chiant. Mais ça reste un B, bien sûr encore une fois. Nathalie c'est plus la merde. C'est terrible. Celui-là j'aime beaucoup. C'est pour ça que je le mets en B. Que je le mets en top B, bien sûr. Parce qu'il est quand même très bien. Non, en vrai. Ah, il serait ce qui est sympa. A. Allez, on met en A. On met en A pour changer un peu. Le niveau du lapin, il est bien. C'est top B, ça. Ça, pour le coup, c'est vraiment top B. Le parachute. Bah, c'est l'OB, hein. Ah, c'est même C, hein. Non, l'OB. Non, C. Non, c'est totalement C. Vas-y, je le mets en top C, mais voilà. Ok, celui-là, très satisfaisant. Les petites courbes, c'est très satisfaisant. C'est très sympathique. On aime bien ça. Ça reste du B, mais on aime ça. Ce niveau-là pue la merde. C'est F, non. Est-ce que c'est D? Allez, c'est D. Franchement, c'est D. Hein. Franchement, je... Puis lui c'est... Lui c'est D, hein, c'est D aussi. Hein. Non, là, les niveaux du lapin, franchement, c'est de la merde. Hein. Ça disait, il le met en D, j'adore. Mais non, c'est lui, c'est celui-là que j'avais mis. Que j'ai dit qu'il était très satisfaisant et j'ai mis B. Mais ouais, non, de la merde. Ok, lui. On arrive sur le niveau du hibou. Les niveaux du hibou, c'est quoi? Avant tout, c'est de la merde, mais. Mais est-ce que ça reste D? Dans celui-là, c'est peut-être C. Celui-là, c'est peut-être C en vrai. Il reste dur, mais il reste quand même ok. L'ampli. Alors, l'ampli, c'est banger. L'ampli, c'est A, hein, j'ai envie de dire. Je pense que l'ampli, c'est A. Oh putain!
Bah, Emezi, si t'es encore là, c'est sur celui-là que j'ai choke 10 000 fois. Je. Ouais. À ce niveau, c'était. Hein. Franchement, ce niveau, c'était. Franchement, ce niveau, c'était. Mais y'a pas de niveau F en vrai. Hein. En vrai, y'aura pas de F, hein, je pense. Hein. Celui-là, c'est C. Il est un peu nul. Il y a aucune âme dedans, mais voilà, c'est un peu vite comme niveau. Quoi. Celui-là, c'est B. C'est B en vrai. C'est B. En vrai, pour l'instant, le hibou, il y a A, B, C, D. Genre vraiment, il y a toutes les lettres. On n'est pas F et S, mais voilà quoi. Les niveaux de la méduse. Les niveaux de la méduse, comment ça se passe? C'est vrai, aller avec le rouage? Non, mais non, mais on va laisser. On va laisser parce que sinon. Parce que si je la supprime, en gros, ça veut dire que D, c'est, ça pue la merde. Alors qu'en vrai. En vrai, ça pue pas la merde non plus, tu vois. C'est. En fait, ça, c'est vraiment. Il aurait fallu vraiment un niveau, mais tellement à chier. Mais dans les niveaux bonus, je pense qu'il y en a un qui mérite son F. Mais dans les niveaux. Dans les niveaux de base du jeu, je pense qu'il n'y en a pas qui mérite F quand même. Celle-là, les méduses. Assez satisfaisant. Très bon niveau pour Marina. Qui est un très bon personnage pour ce niveau. Et je pense que d'ailleurs que le niveau est très dur si tu dis pas Marina. Mais anyway, ça part en B. En top B. Alors celui-là, très satisfaisant comme niveau. Parce que tu peux tomber dans le infini et faire un max de points. Et genre, tu peux rester coincé dans l'infini et faire tout l'infini d'un coup là. Si tu gères bien, mais c'est très dur à faire. Donc très satisfaisant. Très satisfaisant. Mais ça vaut pas un A. Ça vaut un top B. Celui-là, ah, celui-là, je pense qu'il vaut un A quand même. Lui, je pense que je le mets en A. Lui, je le mets en A parce que, pareil, très satisfaisant. Compliqué quand même. Ça, il peut vite te ruiner ta run. Mais il reste très satisfaisant, donc on va le mettre en A. On va le mettre en A. Celui-là, très bien. Pareil, c'est un A. Franchement, c'est du A. Franchement, les niveaux de Marina, c'est du grand cru. Hein. Franchement, c'est du grand cru. C'est vraiment très sympa. C'est très sympa. Et puis celui-là, ça va être B. Ça va être top B, je pense, mais voilà. Ok, plus que 5 niveaux, ça va déjà être fini. Celui-là, c'est pas du D. C'est pas du C non plus, c'est du B. C'est du mid B, mid low B, genre. Les papillons, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, mais est-ce qu'ils vaut son A? Oh, allez, moi aussi, ils vaut son A. Low A, mais ils vaut son A, je pense. Celui-là, il est. Ouais, il est sympa, mais sans plus, vas-y, c'est B. Celui-là, je l'aime pas trop en vrai. Mais est-ce qu'il mérite son C? En vrai, oui. En vrai, oui. En vrai, oui, il mérite son C. Top C quand même, mais il mérite son C. Et celui-là, le dernier niveau. Le dernier niveau du jeu. Franchement. C'est S-tier. Oui. Non, en vrai, franchement, c'est A, je pense. Je pense que c'est A. Franchement, je pense que c'est A. Je pense que c'est même low. Top A. Je pense, très honnêtement. Non, mid A. Voilà. Voilà! Ouais, il est très beau l'arrière-plan. Effectivement, j'aime beaucoup l'arrière-plan. Après, si je devais faire une tier list arrière-plan, franchement, elle serait pas, ça serait pas ça. Mais, ah, quoique, ça serait peut-être en S celui-là. Mais ça serait pas ça en tout cas. Et il y aurait sûrement du F. Quoique, en vrai. Est-ce qu'il y aura du F? Non, je pense pas. En vrai, je pense pas. Ouais, ils sont tous sympas. Mais bon, on va pas faire une tier list derrière-plan. On va pas faire une tier list dans une tier list. Ça va être horrible sinon. Mais voilà, sinon, ça, c'est ma tier list des niveaux de Piggle. Il y en a 4 que j'aime vraiment pas. Aucun que je déteste. Et dans les 4 que j'aime vraiment pas, il y en a quand même 2 du lapin. Hein, c'est quand même terrible. Dans les C. Donc, ça, c'est vraiment. Alors, ça, c'est vraiment genre je déteste, il y en a pas. Genre vraiment genre, des trucs que je peux vraiment pas. Piffé, genre je n'y en a pas, que j'aime vraiment pas, il y en a 4 qui me font chier et ou genre pas qui me font chier mais genre où je suis en mode ouais bon c'est pas la dinguerie, on s'amuse pas, c'est mais ils sont pas non plus horribles, c'est il y en a pas tant que ça. Des niveaux ok tiers, il y en a plein de niveaux ok tiers. Des niveaux très bons,
Bah, il y en a plus que dans le C en tout cas. Un de plus que dans le C. Et puis voilà, des masterclass, bah, il y en a qu'un. En même temps, tu peux pas avoir plus. Enfin, tu peux pas avoir plusieurs masterclass. C'est pas possible. Donc pour moi, la masterclass de Spiegel, c'est celui-là. Dans Spiegel Deluxe, je sais c'est lequel aussi, mais bon, bref, voilà quoi. Bon, en tout cas, voilà. J'ai fait Materialite, j'espère que Mel t'es content parce que t'as été la seule à le regarder. Je mettrai sur YouTube et puis on verra ce qui se passe quoi. Voilà. Et bah je vais arrêter là. Enfin en tout cas la tier list. Je vais peut-être refaire une run, je sais pas encore. Mais en tout cas, c'est terminado. T'oublies pas Mésis. Ouais mais Mésis, je crois qu'il est pas resté. Hein. Ah si, ok, my bad là-dessus. My bad parce que le truc il écrivait un viewer, du coup j'étais en mode c'est Miguel. Mais non. Et Mésis il compte pas comme un viewer, donc je sais pas pourquoi, mais yes. Bon allez. Ouais, faut que j'arrête l'enregistrement, la VOD continue pour rien là. Allez, salut.